Bienvenue sur la plateforme fourragère de Martigny-Ferchaux. Donc c'est une plateforme sur les dérobés et on va parler des stades de coupe qui vont s'étaler de fin mars jusqu'au mois d'avril. Au niveau du stade de coupe des dérobés, il faut savoir que plus on attend, plus le rendement augmente. Mais par contre, les valeurs vont diminuer. Donc au niveau des UF, c'est surtout le stade qui va être important. Plus on va être précoce, plus la valeur UF sera élevée, plus on attendra, plus on se rapprochera des piétons, plus la valeur UF baissera. Au niveau de la MAT, c'est surtout la fertilisation azotée qui va faire cette valeur MAT. Pareil, le stade va diminuer cette valeur MAT. Et au niveau digestibilité, plus on sera sur un fourrage jeune, plus les vaches vont en consommer, donc plus il sera digestible. Au niveau du stade, donc, allez voir les stades dans vos parcelles. On voit par exemple que là, les RGI alternatifs sont déjà bien partis. Ils sont à entre 5 et 10 cm, alors que les RGI non alternatifs commencent juste à décoller et sont à entre 1 et 3 cm. Une autre solution en dérobé, ce sont les seigles. Donc là, vous voyez le seigle fourragé qui est déjà démarré, qui est inclus dans le mélange Mélisse Flash, avec des légumineuses, trèfle et vesse. Et le seigle forestier, qui est dans le M-Vallo, où lui, on voit qu'il n'est pas du tout décollé. Le seigle forestier sera récolté qu'à partir du 15 avril, alors que le seigle fourragé sera récolté fin mars, au stade 3 nœuds, comme le seigle forestier. Attention, quand vous avez des légumineuses mélangées avec du régras, c'est bien le régras qui va donner le stade de coupe. On mesure le stade du régras, donc, et puis 20 cm pour avoir un fourrage concentré, si par exemple on veut le donner à des vaches laitières. Et on va plutôt attendre plus longtemps si on veut le donner à des vaches moins productives, comme des vaches allaitantes par exemple. On va attendre plutôt 7 jours avant épiaison pour avoir un volume un peu plus conséquent et des valeurs toujours à peu près correctes. Pour le printemps 2024, le premier critère va être la portance du sol. Il faut bien attendre le ressuyage de la parcelle avant la récolte. Le passage d'outils sur un sol non ressuyé va tasser le sol en profondeur, ce qui pénalisera fortement la culture suivante. L'enracinement sera moins profond et l'impact sur le rendement du maïs sera important, surtout en cas de stress hydrique. Comme on le voit sur ce graphique, le maïs en silage est la culture la plus sensible au tassement du sol, avec des pertes de rendement moyennes de 35%, par rapport à un sol non tassé.